Ah, oh, c'est le bordel ce soir, putain, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire, quoi? Re, les gens, désolé. Putain, ça va être chiant pour demain. Putain, mais Mangor va péter un câble si j'ai une connexion comme ça demain. Carte mémoire 1, s'il vous plaît. Petite save vue, juste là, tranquillement, en détente, en détente. Tout en souplesse. Je sais pas quoi vous dire, putain. J'espère vraiment que... Salut Zéro. T'as pas trop de soucis avec les crapauds? Pour l'instant, non, je les ai pas vus. Je les ai pas vus, j'arrive. J'arrive à peine, là. Bon, j'espère vraiment... que quand je vais récupérer... mon routeur 4G, là, ça va marcher d'enfer. C'est chiant. C'est chiant, cette connexion, la piste. Mais tellement, quoi. On est tellement malheureux avec cette connexion, quoi. Bon, je vais sauvegarder là. Je sais pas où aller, moi, du coup. Y'a pas de magasin, y'a que dalle. On va descendre. Salut Parasitev, comment vas-tu? Salut ex-Guigui. On aime bien le carton. Comment ça le carton? Quel carton? De quel carton parles-tu? Et boum! Le décès! Salut Dean! Ouais, Chris Cornell, ouais. Ouais, c'est la vie, hein. Ah, la connexion en carton aussi, ça fait chier. Complètement. Complètement. Avec une vraie connexion, je serais un autre homme. Un autre streamer. Plus épanoui. Plus riche. Enfin, si, ouais, remarque, si. Plus riche de, du prix de cette putain de ce putain de routeur 4G qui va me coûter un bras. J'espère vraiment qu'il va être au top, quoi. J'espère vraiment que ce routeur 4G va être au top parce qu'il me coûte un bras. Ça va. Ça va, nickel. Par la connexion qui se fout de ma gueule, là, mais... Un classique. Un classique au demeurant. En demeurant. En espérant que ça ne soit plus jamais un classique. Terminé, quoi. Digicrapaud, une altération à Digimon plutôt cocasse. D'accord. Non, je suis chez Bouygues. Je suis chez Bouygues. Statue. Ouais, ça date. Bah oui, bah en même temps, je m'étais pas encore décidé à acheter un routeur. Je savais pas trop quoi prendre, comment, pourquoi, est-ce que ça allait marcher. Même là, hein, quand je suis dans l'expectative, je sais pas du tout si ça va être la solution à mon problème. J'espère que oui. Alors. Au niveau de l'équipement. Ah, pas mal. On peut pas switcher, faut revenir, prendre une autre bestiole et regarder ce qu'il a. Oh, c'est horrible. C'est chez un autre opérateur. Non, non, mais c'est pas la... C'est pas la... C'est pas l'abonnement. Puis il y a que chez Bouygues que je peux avoir une 4G illimitée. Il y a que chez Bouygues. Donc forcément, c'est la baise. Pas trop d'orages par chez toi? Si, un petit peu. Ouais, remarque, ça peut être ça aussi. Ça peut être les orages qui me baissent la connexion. Maille de cuir aussi, oui, on va pas s'emmerder, maille de cuir. Ah, ajout de glace. Faible aux attaques. Ça me rajoute que 2 points. À qui je peux mettre un... Oh bah si, lui, tiens. À mon avis, les autres donnent aussi 2 points. Tiens, mange, glace faible. Claque-toi. Non, il n'y avait pas d'ouverture de verbe irrégulier. Non, non, comme je le disais à Kishomos, malheureusement, David le double Digimon nous a quittés. Il est tombé sur un booster périmé, quoi. Donc faites gaffe les gens, quoi. J'ai pas de réseau, va savoir pourquoi. Bah écoute, chez moi c'est l'inverse, quoi. Bouygues, c'est un des rares où tu as du réseau partout. Mais du putain de bon réseau, quoi. Voilà. Ouais, je sais, c'est triste, il me dit ça à moi. Tombé sur un booster périmé, quoi.
Donc faites gaffe les gens, si vous ouvrez des boosters, regardez la date de péremption, vraiment. Koelamon. Déjà ça tient plutôt bien quand même, ouais. Mais bon, de toute façon c'est... Enfin j'espère que ce sera une connexion déjà de bien meilleure qualité qui tiendra. Qui tiendra, on n'aura plus de problème. Et surtout, de toute façon, en espérant avoir la fibre à la fin de l'année. 2018, fibre et la vie, quoi. La vie, la vraie. Ah, David le double Digimon, ouais. Ça a été un choc. Enfin, pour moi, ça a été un choc. Ça a été un choc, hein, quand je l'ai appris vraiment. Sale journée aujourd'hui. Hein. La fibre, ça arrive sérieux. Ouais. Bah nous ils ont déjà installé la boîte pour la fibre. Le relais il vient d'être installé dans le village. Mais après le temps qu'ils fassent tous les trucs à droite à gauche. Voilà, je sais pas où je vais, hein, j'y vais un peu au hasard. Salut Naméo, comment vas-tu? Ah David Lafarge Digimon, c'est un personnage que j'ai inventé pour mes intros de stream Digimon pour que ce soit moins chiant. En fait, je parodie David Lafargue Pokémon, où je pète un câble en ouvrant des boosters de verbes irréguliers. Voilà, mais faut regarder les vidéos, faut regarder. Ouais, il est tombé sur un cut périmé, c'est ça. Putain, mais il est en train de m'ouvrir le cul, lui. C'est triste, hein. C'est triste comme un frigo vide, tout ça. Grande tristesse. Eh hey. Ouais, tu regardes l'intro d'hier, tu vas voir, c'est cocasse. Cocasserie, quoi. Bon, en tout cas, ils vont me donner de l'XP, je pense. Ouais. Why not? Allez. Moi, je vous rappelle que l'aide du chat est activée, donc si jamais je fais n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire. Tout le monde depuis 2014, je vous dis que les premiers accords de monde ne sont pas avant 2019. Ça y est, le golf après. Ouais, après, on va se faire un jeu de golf, ouais. Premier jeu de golf en 80 jeux, c'est bien. Le tour du monde en 80 jeux. Oh, je vais lui mettre une attaque éclair. Pikachu. Pikachu, je vais lui mettre. Ce jeu, je vais lui mettre un Pikachu sur 20, de toute façon. Ça lui apprendra. Je le trouve très agressif ce jeu. Allez bim. Non mais n'empêche, ce jeu est attachant. Parce que au début c'est chiant, mais quand tu commences vraiment à essayer de chercher quoi faire, même si tu passes ton temps à galérer comme un con, il y a un truc qui fait que le jeu, tu l'aimes bien, il est sympa. J'ai combien de jeux en tout sur ma play? Tu veux dire chez moi en physique? Ici, tu veux dire pas en démat, hein, pas récupéré pour faire le marathon. Combien j'ai de jeux moi perso? J'en ai un peu plus de 400. Ouais, on peut tenter le Big Hormone sur 20, oui. Putain, mais y'a rien ici. C'est l'arnaque. Il va falloir me guider, j'en ai bien peur. Il va nous falloir me guider. Ouais. Mais de play, après j'ai autre chose. J'ai une salle de jeu. J'ai gardé tous les jeux que j'avais de mes cousins et mon frangin, quoi. J'ai combien de play, hein? J'en ai 3. J'ai la première FAT, la deuxième FAT et la PS1, là, la Slim. Merci Oichi pour le host et les bisous. Oh oui, 400, c'est même pas un quart du challenge, quoi. Ah si, ça fait un quart. J'ai un quart des jeux du challenge. Sympa. Ah oui, ça a été sympa le déménagement. Je te garantis que ça a été sympa, quoi. Ensuite, taille en bas à gauche. On peut sortir de ce marais, mais y'a rien. Ah, je suis pas allé à droite, remarque. Ouais, j'en ai un peu plus d'un quart. On va dire j'ai un quart des jeux du marathon. Quoi la différence entre la PS1 et... Bah, c'est comme la PS4 et la PS4 Slim là.
c'est plus petit, ça fait moins de bruit, les composants sont encore plus réduits. À part ça, rien. Je suis en train de perdre de la vie gratuitement, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ce qui se passe. Oui mes frères, continuons la lutte. Je reviendrai plus tard. Y'a pas de soucis, Dean. Des bisous. Des bisous. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y a quoi que ce soit là. Ah, il y a quelque chose d'écrit au dos. Je l'ai déjà vu quelque part, je ne me souviens pas. C'est tout? Ça valait le coup, hein. Ah non, y a rien à faire ici. La détresse d'un homme. Ouais, ça va. Y'a rien à faire ici. Allez, on va lui bourrer la tronche. Bourrage de mou en direct. Ou en différé, peu importe. Salut Recover. Il est bien ce jeu, ça va. Franchement, ça va. Il est dur. C'est qu'il est dur. Il est très punitif. Salut Nerf One. Yes. On prend des levels. Écoute, on prend des levels. Je vais sauvegarder quand même. Là, y a rien à faire quoi. Très punitif, bah, si t'as pas le niveau, tu te fais défoncer et tu recommences. Remac Dreamer. Désolé, la connexion est plus du cul. Mais j'espère que dimanche, tout ira mieux. Ce sont déjà les armes vivantes. Eh oui. Bon. Ouais, le jeu est dur. Le jeu est dur. Quand t'as pas le level, le jeu te le dit, t'as pas le level quoi. Pff, tu te fais défoncer mais très rapidement quoi. Alors trier, on met qui? On met qui? Allez, pas ta main. Tu vas avoir 200 jeux physiques PS2. Ouais, je dois être pas loin. Je dois être pas loin des 200 jeux, ouais. Par contre, j'ai que des trucs bien. À part si j'ai un Sudoku. J'ai un Sudoku sur PS2, mais après, j'ai que des tueries. J'ai que des tueries sur PS2. J'ai pas un seul... j'ai quand même 2-3 jeux de merde. J'ai un PES. Je dois avoir un PES, mais après, j'ai que des tueries sur PS2. Les Suikoden, les Shin Megami Tensei. Bon, les Final Fantasy, les Silent Hill, les Star Ocean, les Wild Arms, les Xenogear, Unlimited Saga, les Valkyria Profile, les Ease, bon, les Kingdom Hearts, les Mega Man, bon, les Obscur vite fait, Odin Sphere, c'est une tuerie, Devil May Cry, Devil Knight, Dark Cloud qui est pas mal. Plutôt PES ou FIFA? Franchement, ni un ni autre. Je dirais plutôt PES parce que les potes qui jouent, quand je passe les soirées avec eux et qu'on joue à un jeu de foot, c'est PES. Mais sinon, moi je suis pas à foot. Hey. Ah, il tape quand même, Patamon. Bon, j'ai regardé le film, hein. je l'ai dit au début tout à l'heure, j'ai regardé le film. J'ai regardé le premier film. Yo Beko, comment vas-tu? Bienvenue à toi. J'ai regardé le film Digimon, hein. J'ai rien compris du coup. Donc ça ne m'a pas avancé plus que ça. On est d'accord. Ça avec le PS2, c'est Orphan. Ça me dit rien. Je crois que je l'ai pas. En haut, j'ai que Obscur 1 et 2, Odin Sphere.
Et quatre nids mouchards. Plutôt pain au chocolat ou chocolatine? Bah, chocolatine, évidemment. Austin Power Pinball m'intrigue. Ah, ça peut être marrant de se faire un flipper, ouais, carrément. Croissantine. Pâte d'ours. Moi, je suis plutôt pâte d'ours. Ça, c'est vraiment un concept de chez nous, ça, la pâte d'ours. C'est comme une chocolatine, sauf que c'est plus gros et c'est encore plus blindé de chocolat. Ça avance ce Digimon? Ouais, bah écoute, on essaye. Hein. On essaye. On donne le maximum. On donne le maximum. Allez, petite save vue. Et puis on va aller ailleurs. On va aller dans la jungle. On va aller dans la jungle. Prépare-toi à sauvegarder. 250 jeux PS1, bah écoute, envoie-les. Envoie-les, évidemment. Tout le monde te respectera. Allez, envoie le bousin. Allez, je suis chaud là, c'est bon. Plutôt Black Carambar ou Black Vachkiri? Je savais même pas qu'il y avait des Black Vachkiri, quoi. C'est moi la vache qui rit, moi c'est dans le kebab. C'est dans le kebab, dans le pain nan, c'est tout. Après, bon. Non merci. Non merci. Ici y a rien, putain. On est paumé, putain, on est paumé, quoi. On va aller de ce côté. On va aller dans la jungle. Oh, dans la jungle. On va voir ce qui se passe dans la jungle. Pas au chocolat. Bon, après, je m'en fous. Tant que je le mange et qu'il est bon. Tweedidi. Je suis au bon endroit. Je le savais. Je l'ai senti. C'est le nez, ça. Oh, c'est quoi cette merde? Samouraïmon. Musiamon. Double-double. Plutôt double-double-double. Oh ouais, double-double, c'est bien ça. Je préfère qu'on vienne tous les jours te mettre les aiguilles dans le nez. Ou 1 million d'euros. C'est quoi cette question pourrie? Oh, j'ai pas le niveau. Voilà, là, par exemple, j'ai pas le niveau. Là, on le voit, quoi. Ouais, 26 jours de marathon, les potos. Merci beaucoup. Salut Raymonx, comment vas-tu? 26 jours de marathon, les potos. C'est une quote de la série bloquée. D'accord. Ok, je rate pas. Allez, on peut se barrer et on va se faire chier à utiliser les PE. C'est le moment d'utilisation des PE. On en est là. Ah bah oui. Oh oui, on a tellement pas le niveau. Peut-être si on parle à 30 jours, ouais carrément. On pourrait se faire un truc de folie à 30 jours. Allez, on a perdu. On a perdu, je vous le dis. Bonne nuit Julius, et merci d'être passé les bisous. Bon là on va se faire ouvrir le fion, donc on est bon pour revenir utiliser les PE. C'est la résurrection de David Digimon, tu penses? Ah, ça va golfer vénère, ma mène. Ah oui, là, gros golf. Gros golf de folie, quoi. Putain, on a tellement pas le level, c'est horrible. On a tellement pas le level. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, quoi. La différence de level d'un coup, quoi, c'est ça, quoi. Je disais que le jeu il se foutait de ta gueule au bout d'un moment et qu'il était punitif, c'était pas un mensonge. Là je suis tombé sur un mec qui m'a pourri en 3 coups. Voilà. 6-0, 6-0. Jeu 7 et match, on dégage. Ouais.
Je cherche une sortie. Go save state. Mais non, pas save state, merde pas. J'ai pas envie de refaire le jeu à la fin du marathon. Soyons intelligents. Essayons. Samar Serious. Des bisous, merci d'être passé. Merci du soutien, les potes. Franchement, moult kiss. Il n'y a pas de bannière pour te dire que c'est... Ouais, c'est vrai que c'est chiant, quoi. Parce que finalement, quelle différence il y a entre là et là, quoi. Tu sais, j'ai fait deux pas de plus. Et là, le mec, d'un coup, la puissance, c'est la... La puissance, elle a triplé, quoi. 10 heures de marathon, mais 7 heures in-game. Ah bah oui, bah, toutes les fois où je suis décédé, compagnie, ouais. 7 heures in-game, ouais. Easily. Rien pigé au truc. Ouais, moi aussi, le premier Digimon, on me l'avait prêté, il m'est tombé des mains. J'avais rien compris à ce jeu, quoi. Et en plus, c'était le premier, fallait les nourrir aussi, en plus, quoi. Oh, fallait leur filer à bouffer, mais n'importe quoi. Eh non, non, les mecs. 15, ah putain, 15, faut qu'ils passent niveau 11, tous. On va les faire passer niveau 11, si je te dise. Marée calme. Allez, on va les faire passer niveau 11 avant de se barrer, comme des gros sales. Tamagotchi-like, ouais, non, mais c'était honteux comme jeu, quoi. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai, après. Fallait pas qu'ils fassent caca d'or, fallait les amener aux chiottes. Ah, putain, il va falloir le faire, ce jeu. Oh, putain. Et oui, il y a Kakamon. Avec les fameux Kakamon. Kakamon, transforme-toi. Toi, transforme-toi. Fou, hein. Au génocide, les Sidramon et les Coelemon. L'autre il est en train de se faire son petit listing tranquillement. Salut Benoît, comment vas-tu? Kakamou Lox. Allez, on va amener juste au niveau 11, je pense que ça suffira. Prendre un level de plus, ça suffit. Et après, on ira au gymnase se faire chier, là. On ira au gymnase se faire chier, vite fait. T'as quoi comme manette mon? Une manette PS4. PS4 mon, évidemment. Putain, ils sont où les 6 machins? Ils sont là et en bas, je crois. Et non, ils sont où? Salut, Pidgey Boy! Comment vas-tu? Putain, mais ils sont où? Le world est mieux. Bah, c'est le world celui-là, Benoît. C'est le world 2003. C'est le world de 2003. Est-ce que t'as mis le skin Digimon à ta manette? Non. Non, non. Fais gaffe parce que toi, je vais t'obliger à jouer à Digimon Cyber Sleuth sur PS3 ou PS4, je sais plus. Là. Voilà, à me faire le platine. Voilà, ton défi, c'est le platiner ce jeu. À la con, on aurait pu donner le double de terminer toutes ces phrases par mon. Ah, on peut. C'est vrai qu'on a des genres de défis à la con mon. Ça reste à tenter mon. Ça commence déjà à m'emmerder mon. J'ai arrêté de vous foutre de ma gueule mon. Bon, mon. T'as même bon faire bon mon. Ça n'a aucun sens. Tout ceci n'a aucun sens. Les gros stickers dégueulasses pour la BOE, pour la PS1. Les pierres filées avec les PlayStation Magazine. Enfin, les Play Mag, les non officiels. On avait un paquet. Et c'était laid. C'est vrai que c'était laid, quoi. Ah, ils sont là, les Colamon. Antox Colamon. Oh, c'est Antox Colamon. Putain, je vais t'apprendre à te foutre de la gueule de Kirby 56. T'as pas honte? Cet order sur PS4. Faut vraiment être fan de la série car le gameplay est le même que le 1. J'y jouerai jamais. Il est pas bon, tu pars. Ouais. Ouais, tu le. Faut qu'il chante des petits trous, encore des petits trous. Pourquoi pas. Salut Méa. Tu as terminé à 100% le jeu, t'es complètement cinglé, quoi.
T'es complètement cinglé. Non, oui, quoi, il continue à faire des Digimon, ouais, j'avais vu. Sur le store, à un moment donné, je l'avais vu. Mille Louis adore cette chanson. Ouais, ça va, et toi? Émile Louis? Ouais, fais-moi rêver, bordel. Merde, c'était où? Ah non, c'est à droite. C'est... Je sais plus. Il semblait que c'était en bas. Il semblait que c'était en bas pour faire de l'XP. Le jeu, je l'aime bien ou je le trouve chiant, mais c'est un peu les deux, Big Bass. C'est ça le truc, quoi. Il y a des trucs sympas dans le jeu. Il y avait moyen de faire un bon truc, mais alors la difficulté, ça flingue tout, quoi. En bas du pont à droite pour l'XP, ouais. Ouais, il me semblait que c'est en bas, mais j'arrive pas à y aller. Allez, meurs. T'es obligé d'aller dormir un coup encore. C'est au prêtre, mais j'ai pas ouvert. Oh, c'est sale. C'est beaucoup trop sale pour moi. Ouais, on va passer juste un level de plus pour chacun, là, qu'ils soient tous niveau 11. Et après, on va les farmer comme des gros porcs. Ah oui, c'est par là. C'est par là. C'est par là. On va se faire chier un petit peu au gymnase. On va la faire passer deux fois. Donc on va leur filer 120 points d'attaque à chacun. Enfin, sauf lui, on va lui mettre des points de technique, évidemment. Tiens, mets-toi un small heal pour voir ce que ça fait. C'était mieux avant. Évidemment que c'était mieux avant. Ah oui! Ah oui, Small Hill, c'est. Non, c'est pas de la merde. Par contre, il fait mal, lui. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Si avec lui, ça va être un peu chiant de passer le level parce qu'il est un peu nul. Mais après, ça va le faire. Ça marche, bonne soirée, Big Bass. Des bisous, merci d'être passé. Merci beaucoup d'être passé. Allez, un petit Smallville. Le bourrin du groupe, c'est l'ours. Ouais, carrément. Carrément. Lui, il faut que je fasse passer des lavas ou. Et je pense pas qu'il fasse les... Je vais essayer quand même. Air Blast. Est-ce que c'est plus puissant Air Blast que l'attaque physique? Pour l'instant, je pense que non. Mais quand je serai passé au gymnase, oui. Pour l'instant, c'est équivalent quasiment. Léviator low cost. Ouais, y'a de ça. Ouais. C'est vrai que tu pourrais compatir à la souffrance de moi. Mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est vrai qu'il était là sur Psybadek. Ah, tu peux pas tester. Tu peux pas tester un mec qui était là sur Psybadek. Inguacable, le mec. Le combat le plus long de ma vie, quoi. Allez, reprendre la vie, va. Il est sur... Oh, oui. Ah oui, c'est... Je pense que c'est le jeu le plus merdique que j'ai jamais fait, quoi. Pour l'instant. Qui a proposé Psybadek? Je crois que c'était Parasite Eve qui l'avait proposé. Et c'est bien qu'elle l'ait proposé, comme ça il est... Voilà. Il est à dégager, on le refera dans 5 ans. Ouais, et je sais pas si on va faire pire. Je sais pas si on va faire pire. Elle se dénonce. Elle se dénonce. Ah, dans 5 ans, le loup. Ouais, tranquillou. Marais bio. C'est un marais bio. Ouais, Psybadek a été safe state. Bah oui, je pouvais. Franchement, quand je vais devoir le refaire en legit, je vais en chier. Mais t'imagines même pas comment je vais en chier, quoi. J'espère qu'il y a un cheat code pour avoir au moins les vies infinies. Vie infinie, il y a des. Voilà, je peux le finir sans. Je peux le finir. Genre, je vais en chier aussi, mais je peux le finir. Ce jeu est super,
super, super dur. Parce que il est fait avec les pieds, avec... C'est de la merde, c'est de la merde, c'est tout. C'est de la merde. ...131 de dégâts. Le mec s'est assis sur son clavier. Il est possible de tuer le double. Oui, 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 c'est possible, hein. C'est possible. Mais bon, après, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait comme j'ai pu, mais je l'ai fait. Je suis assez fier. Je suis assez fier de l'avoir fait. Même s'il y avait les save states, je suis assez fier de l'avoir fait, même avec les save states. Très attendu par l'équipe de jvlo.com. Ouais, non, mais voilà. Bah, ils voulaient avoir des... ils voulaient avoir, évidemment, des chaussures gratuites. Oui, je pense que tu vas la garder, la première place. Bonne nuit, Big Bess. Merci d'être passé. Des zoubis. Je sais que c'est chiant quand je fais des RPG, mais en tout cas, c'est toujours plaisant de vous voir passer. Les psychnosis sont tout petits. Je crois qu'ils ont essayé de l'effacer à la main avant de les vendre, tu sais. Boîte par boîte, ils ont essayé d'effacer comme ils ont pu. Mais malheureusement, il y en a encore qui sont passés à l'as, quoi. Clippé. Qu'est-ce que tu as clippé? T'as un code d'invincibilité sur Psybadec. Ben voilà. On est bon. On est bon. Demain, c'est à quelle heure le stream? 14h. Demain, 14h. L'horaire ne change pas. Nous, on va se préparer tranquillement et à 14h, on va vous envoyer ça. On a tout préparé un petit peu cet après-midi. On finira de préparer tout ça demain. J'espère que ça va bien se passer parce que bon, ma connexion quoi. Mais voilà, demain franchement, ça risque d'être un truc vraiment très sympa. Très sympa, très intéressant. Puis voilà, ça va être notre première collaboration, donc on va voir ce que ça donne quoi. Soit ça va être tout pourri, soit ça va être génial, soit ça va être entre deux. Puis on va voir ce que ça donne quoi, si ça nous donne envie de continuer à se faire de temps en temps un petit... une petite collab sur des jeux, sur des trucs, on verra. En tout cas, moi, ça m'enjaille bien. Mangor, j'aime bien. Bon délire, donc... Merci que Pouik pour l'os et les bisous. ODT. Versailles. Mais Versailles, on a bien rigolé, je crois. Versailles, il était pas terrible. Mais je le mettrais pas dans le top 3 des pires jeux. ODT non plus, putain. ODT, c'est quand même un jeu qui brille par sa difficulté. Mais c'est pas un mauvais jeu. C'était pas un mauvais jeu, ODT. Enfin, il était pas aussi mauvais. Il était pas aussi mauvais que. Bah, que Psybadec. Je sais pas ce que je mettrais comme pire jeu à chaque fois. Quoi. Je regarderai sur la liste. Tout simplement. Bon, tu veux bien mourir, toi? J'ai besoin de prendre des levels. Oui, des jeux que j'ai fait, oui, des jeux que j'ai fait dans le marathon. Des jeux que j'ai fait dans le marathon, oui. C'est à ça que je pense aussi, mais justement, je suis en train de réfléchir. Mais c'est vrai que... Oui, niveau 11. Allez, lui, c'est fait. Allez, plus que Guimon et Kumamon. Guimon. C'est Guimon, les gars. Trier. Toi, tu dégages. Non, Rascal, c'était... C'était pas une merde infâme, Rascal. Franchement. C'est loin de là. Hein. Loin de là. Mais c'est parce que je m'attendais à une merde. Je m'attendais vraiment à un jeu tout pourri, genre Bubsy, et je me suis rendu compte que c'était quand même un petit peu mieux. C'est les boss qui sont à chier, quoi. Quand tu t'enchaînes tous les boss, enfin, c'est le même boss, en fait. Tu t'enchaînes 5-6 fois le même boss de fin, avant de finir, juste dans des endroits différents. Là, c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu abusé, quoi. T'as qu'un seul boss dans le jeu. Tu le bats juste dans tous les environnements, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait un dindon mode. Calme-toi. Calme-toi. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça le... Ok, Mivi. Mivi, c'est parfait. En deux coups, je le bute, en pas d'autre faire chier. Salut, Luchou! Comment vas-tu? Alors pour Luchou, faut bourrer les dons. Elle adore ça. Oui, il adore ça. Ouais.
Allez, nickel. Nickel. Le clip du repeat. Repeat after me. Allez, passe ton level 11. Passe ton level 11. Qu'on avance un petit peu. Vicieux. C'est vicieux. C'est complètement vicieux. Et alors ? Ah. Allez, fais péter. Fais péter. Tu te remplis les poches ? Ouais, ouais, grave. J'ai tellement. Bon, je vois Dance Dance Revolution. Ouais, ça va être marrant. Oh, le one shot ! Oh, le one shot ! Tu m'as mon. Venge. Parler de des DLC, bah je viens de stream le dernier DLC d'Assetto Corsa, franchement pas content d'avoir payé pour ça. Car contenu vraiment de qualité, ok. Ah, Assetto Corsa c'est quoi? C'est une simulation de bagnole, c'est ça? C'est une simulation de bagnole. D'accord, ouais. Simulation de caisse. Je me fais pourrir. Non, ça va. Kumamon, il gère. Kumamon, je pense que lui, je vais mettre full attaque. Je ferai pas évoluer la défense. Il se jouait uniquement au flingue. Je sais plus. Je suis pas sûr. Mais dans tous les cas, je l'ai le flingue. Dans tous les cas, je l'ai le flingue. Donc, voilà. J'ai le Guncon 45. Le Gcon 45 de Namco. Allez, on va pioncer. Offert une Corsa. Non, Time Crisis il se fait à la manette. Hein. Je l'ai fait Time Crisis, je l'ai fait à la manette, ça glissait. Ça glissait tout seul. Merde. Les Grand Turismo. Ouais, j'ai les simulations, ouais. Les Grand Turismo, les Toka. Bon, les Colin McRae, ça reste encore assez arcade. Ça reste quand même assez arcade. Et c'est Hammer Rush. Ok, ouais. J'essaierai Hammer Rush. Oui! Oh, il le bute en un coup, excellent. Bien joué, la bestiole. Ça fonctionne comment pour les requests de jeu? Alors, Beko, en fait, quand je finis un jeu. Le temps que je prépare le lancement du deuxième jeu, enfin du jeu suivant, que je fasse les papiers et compagnie du marathon avec le temps que j'ai mis et compagnie, je lance une loterie dans le chat. Et pour participer à la loterie, il suffit, entre le moment où je lance la loterie et le moment où je la stoppe, il suffit de parler ne serait-ce qu'une fois dans le chat, et ça te rend éligible. À la fin, ça va tirer un viewer au hasard, et ce viewer au hasard choisit le jeu qu'il veut dans la liste que j'ai déjà préétablie. Donc soit tu sais déjà le jeu que tu veux me faire jouer et tu regardes. Merci Choupi pour l'os, des bisous. Merci Choupi. Soit tu connais le jeu que tu veux me faire jouer, tu regardes dans la liste si je l'ai pas déjà fait. Soit tu regardes, tu dis tiens, ça a l'air bizarre ça, tiens. On va tester ça. Tu ne seras pas aimer tes Digimon. Mais je veux bien les aimer mes Digimon. Chiant quoi. En plus il meurt, regardez-le mourir. Regardez-le mourir! Guimon quoi, putain, Guimon Tanier. Salut Choupi, comment vas-tu? Allez, j'y crois, moi. Voilà, on a l'ours de cirque, on est bon. Tu fais tous les permis et tous les tournois. Non. Ça approche. Bah ouais, y'a pas de soucis, Beko. Vous venez quand vous voulez, hein, y'a aucune obligation. Grand Turismo, il faudra que je fasse tous les permis et le tournoi qui me permettra d'avoir le ending. Donc je sais pas si ça va être un peu chiant. Au pire, c'est vrai qu'on pourra égayer. On pourra égayer celui qui me choisira Grand Turismo. Il pourra me dire bon, fais pas qu'un tournoi, bah, claque celui-là aussi. Mais bon, le but c'est que je finisse le jeu. Pas que je fasse un super play de l'infini. Les endurances sont hyper longues. Ouais, les endurances, c'est la mort. C'est la mort, mais un truc de ouf.
Mais bon, c'est pas des 24 heures, heureusement. Enfin, de mémoire, non. Tu peux pas faire de 24 heures. Sinon, on va se faire chier 24 heures dessus, vous allez me maudire, quoi. Ça va être pire que Digimon, quoi. Ah, Digimon, à côté, c'est du caca. Et après, tu vas venir manger les pistaches dans mon caca. On en est là. On en est là. Je viens d'étendre un peu sur... Après, l'horrible niveau que j'ai passé... Ah oui, c'est vrai que t'étais sur 1001 Spikes. 1001 Spikes. J'aime bien ce jeu, il est horrible, mais j'adore. J'adore. Bon, en tout cas, le routeur que j'ai commandé, le routeur 4G que j'ai commandé, ça a l'air d'être une tuerie. Il y a un processeur intégré, double cœur, machin chose. C'était marqué exprès pour streamer et jouer. Donc je me dis, c'est... Voilà, c'est pour moi. C'est pour moi, cette connerie, quoi. Ça coûte une blinde, mais bon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça peut me permettre d'avoir vraiment le confort de stream, ça va être nickel. À côté de ça, je vais acheter un téléphone, je pense. Comme ça, voilà, j'aurai vraiment une backstrat, une vraie backstrat, avec un bon téléphone qui envoie. Pas un Wiko qui fait la gueule toutes les 5 minutes. Ah ouais, mais faut pas déconner, quoi. On commence à être super nombreux, faut que j'envoie du lourd maintenant, quoi. Pourquoi ton père d'eau ? Publicité mensongère. Pourquoi on perçoit une fée ? Alors, c'est pas une fée, c'est un satellite. Bon, pour moi aussi, hein, c'était une fée, hein. Hey, listen, tout ça. Mais non, apparemment, c'est un satellite pour avoir moultes informations extrêmement intéressantes et indispensables. Un peu comme ce marathon. Ouais. Salut, Sir Yoda. Bienvenue à toi. Sur le marathon le plus intrépide du Retro Gaming Football. Ah, c'est génial. Oh, c'est génial. Ah, on peut avoir des combats dans la ville. Intéressant. Intéressant. Et c'est un... Libilulmon. Yann Mamon, pardon. Ah. On rigole, les gars, on rigole. Humour. Humour et détente. Yes, one shot. One shot. Bon, au passage, on passe des levels de la transformation. Je sais pas si les levels de la transfo ça augmente les stats. Moi bon, j'espère que oui parce qu'on va se faire chier autant pour si peu. C'est horrible, c'est tragique. Extrêmement tragique là. Qui veut te battre? Oh, c'est un Gogolmon. Geckomon. C'est pareil, le mec il a un œil qui dit merde à l'autre. Calmons-nous. Cool. Cool. Allez, tout en douceur. Tout en douceur. Gogolmon, ouais, c'est des Pokémon très sérieux, quoi. Ce sont des Digimon, pardon. Putain, le mec, il est pas concentré, le mec. Alors, je sais pas si ça vaut pas le coup plutôt de buter cela, ça va plus vite. Ça va plus vite. Yes, niveau 11. Ah, il reste plus que Cumamon. Et après, oust. Après on va se faire... Ah putain, mais non. Après on va se faire chier à aller à la gym, là. Ça va durer une plombe, ça aussi. Mais après on va être tranquille, on va tout péter. Gym Tonic. Yo Bourzoum, comment vas-tu? Je donne envie... Je sais pas comment je peux donner envie de jouer à Digimon, mais en tout cas, merci. 5 Solot. 5 loups béret basque. Oh oui. Allez, vas-y, fais-moi péter le niveau 11. On le veut. Ah merde, oui, la technique. Je vais la tester, ouais. Je vais la tester. On est très bon. On est très bon.
Salut Vanop. Ouais, c'est parti pour le farming, comme tu dis, ouais. Oh, ces streams de qualité médiocre. C'est le jeu, les mecs. C'est le jeu. On est sur du RPG, donc forcément... C'est moins la folie. Mais bon, ça va. Ça va. Ça avance tranquillement. Merde. Ah bah tiens, il est pas mort. Il est pas mort, on va lui mettre la technique. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu. J'aime relancer le jeu histoire d'XP pendant 10 heures, ouais. Dégâts dus à des coups rapides. Ah, il fait moi rêver. Bon, lui, je lui augmente que la force. Je cherche pas à comprendre. Lui, ça va être le bourrinos. Quand il n'y a plus rien à perdre, il y aura lui. Ne pas remettre dans la PS1 le CD gravé de Digimon. 880. Ah oui, 888. On va lui augmenter la force. Et niveau 11, impeccable. Allez, c'est bon. On va à la gym. En espérant qu'on va avoir une RNG chanceuse. Praised the RNG. Des bigorneaux pour la RNG, les potos. Un maximum de bigorneaux pour la RNG, là. Faut qu'on y arrive du premier coup. Ah, j'ai pas envie qu'on passe notre temps. J'ai pas envie de passer le stream à faire ça, quoi. Ça va être minuit et demi. À une heure, faut qu'on ait terminé. Terminé, et après on avance comme des fous. Allez, on y va. La fée clignote, on est très bon. La RNG, ouais, ouais. Random Number Generator. L'aléatoire, tu préfères. L'aléatoire. Praised the RNG. J'aime la gym. Ah putain, c'est un dessin animé, ça, j'aime la gym. C'est un fucking dessin animé. D'ailleurs, je pense que ça fera partie des premières émotes, ça. Les trucs RNG. Va falloir, avec les bigorneaux et tout ça, falloir que je claque un Praise the RNG. Parce qu'il n'y a pas que les RPG hein, où la RNG se fout de ta gueule. Il y a d'autres trucs. Tiens, prends un Mur Rush, ça va te détendre. Si, si, tu vas voir, ça détend les chairs, ça détend la peau. Ah, excellent. Excellent. Mais il me tarde de tester le jeu de golf. Ça fait une éternité que j'ai pas touché un jeu de golf. Les derniers, c'était les Everybody Golf, là. C'est les jeux de golf, mais sympa, rigolo, quoi. Mais j'ai jamais touché vraiment un jeu de golf plus simu, plus truc, quoi. On va voir ce que ça donne. On va voir si on va se faire chier ou si on va se faire chier. Eh ouais, les mecs. Ah, je t'appelle les mecs. Ça va le chat Non, parce que si je te dérange là, je me casse. T'as pas joué à Wii Sport Golf? Ah si, putain, il y avait ça, ouais. Il y avait ça, putain, mais oui, si. Si, si, j'ai joué à Wii Sport. Ouais. C'est vrai qu'il y a le bowling, le golf et le tennis. Tennis qui servait tellement à rien, quoi. Ils ont failli Widmon. Ah, ils auraient pu faire un petit Widomon. Widomono. Widomonoga. Ah, la japonaise après, tu feintes. Tu feintes. Mais non, mais ça n'a rien à voir, c'est du japonais. Ça ne veut rien dire. Pas de l'anglais, on n'est pas en train de parler d'herbe. Pas du tout. Aquamon, Stonemon. J'en sais rien. J'en sais rien. Je te dis, je me suis fait le plaisir de regarder le film, j'ai rien compris, même les noms, je voyais pas d'où ça sortait en fonction des bestioles. L'autre s'appelle Demimon, il évolue en je sais pas quoi. Oh là là. C'était le bordel quoi. Allez, avance. Alors, ce que je vais faire, vous allez me dire si c'est intelligent. Patamon, je vais lui faire double évolution esprit, hein, pour qu'il ait une grosse patate en magie. Le Tyrannosaure, je vais lui faire une double évolution défense. Demi-molle. Mi-molle, c'est la note. Mi-molle. C'est celle-là. Si jamais tu la cherches, c'est celle-là. Je te la donne. C'est le mi-molle. Voilà. Et le Grizzlymon, je vais lui faire une full force. Salut Tomo! Comment vas-tu? Arrête de gueuler, le micro est là quoi.
D'habitude, je gueule, mais le micro est un peu plus loin, donc là, attends, je vais bouger le micro, je vais le mettre ici. Et c'est parti. Je suis où là, putain, je reconnais plus rien. Ah si, non, c'est bon, non, j'ai rien dit. Demi-molle, petit monstre, tu es le champion. Demi-molle, petit monstre. Et c'est quoi le compteur là, juste en dessous de la vie de Patamon là, qui brille 2000 étoiles? Le jeu de domino, perso j'adorais mais je comprenais rien. Le jeu de domino? Putain, ça me dit rien. Ça ne me dit rien. La mimolette, c'est du fromage. Non, enfin... fromage ou charcut, tous les deux, je sais plus. La mimolette. Il y a un jeu de domino sur PS1. Mais de domino, on joue vraiment au domino ou domino où on les fait tomber les uns sur les autres? Attaque spéciale. 11 heures de jeu. T'es encore au commencement? C'est pas en critique. Non, j'en suis pas au commencement. J'en suis pas au commencement. J'ai avancé quand même, j'ai avancé. Mine de rien, j'ai avancé. On est quand même, on a quand même au troisième secteur. Après, je sais pas où j'en suis au niveau du jeu, mais... Mister Domino, d'accord. Je vais devoir faire Jojo Bizarre Aventure. Ah, il est sorti en Europe, Jojo Bizarre Aventure? Cool. C'est le jeu de baston, celui-là, hein, sur PS1. D'accord, Monsieur Domino, je connais pas. Par contre, le Jojo Bizarre Aventure, si c'est le jeu de baston, je le connais. Il est très, très, très bon. Monsieur Domino. Ok, Mister Domino. Cool. Cool, cool. Non, mais j'aime bien découvrir des jeux après. J'aime bien découvrir des petits jeux comme ça. Putain, j'ai mon chat qui s'est déconnecté. C'est pas déconnecté le... Non, c'est bon, c'est revenu. Il n'y a pas eu de drop, donc je sais pas, voilà. Putain, mais quelle connexion de merde, je vous jure. Vivement que je chope ce routeur en espérant que c'est vraiment la solution miracle. Jeu sans frontières, c'est à la guitare. Ça. Allez, on y croit. La carte au trésor sur France 3. Non, on est en train de partir sur... on est en train de partir sur dedans. Je peux pas valider ça, là. Je peux pas valider, les mecs. L'interville des pays. Enfin, il a cherché un kawa. Attends, d'abord, on va se faire chier. Salut, Céliave. Comment vas-tu? Bon, d'abord, on va se faire chier. Je suis désolé, hein. On va se faire chier là. À jouer avec la RNG pour avoir un maximum de stats up. Comme ça, après, on va remarcher sur le jeu pendant une heure et on va redevoir farmer. En fait, c'est ça, tu passes 2 heures à farmer, 1 heure à marcher sur le jeu, 2 heures à farmer, 1 heure à marcher sur le jeu. C'est horrible. Le big deal, tu as pris ou au moins? Non. Pourquoi j'approuverais le big deal? Je ne comprends pas. Ça farme encore le training. Non, mais en fait, t'es obligé de farmer toujours à chaque fois. Dès que t'avances, en fait, t'es obligé de farmer. C'est horrible, mais c'est comme ça, quoi. C'est le jeu du farming, quoi. Farming Simulator, en fait, c'est vrai. Au début, j'ai dit non. Mais en fait, si. En fait, si. Donc, je vais me mettre en position 2. Hein. Je vais me mettre en position comme ça. Comme ça, on va pouvoir discuter tranquillou en faisant ce qu'on a à faire, quoi, tout simplement. Voilà. Eh ouais. Donc là, ça va être long parce que faut que je fasse 6 perfect. Faut que je fasse 6 perfect. Donc autant je vais avoir du bol, ça va le faire de suite. Autant on va l'avoir dans le cul. Motus. Pyramide. Mironton ou Barjabule. Pyramide, bien joué. Piratus, un mélange de pyramide et de motus. Ah, ça part en couille, les mecs, ça part en couille. Ah, je comprends que le jeu soit chiant, mais. Ça part en couille. Comme Machine Hunter, il est chaud. Les amours. Est-ce aussi ça, les amours? Et maître Galibert?
Ah oui, c'est avec Tex après. Avant, c'était avec Reichmann. Reichmann, la base. Ouais, j'ai du pognon, ouais. Mais là, j'ai pas de meilleur matos. Ah, si, peut-être dans l'autre ville. On va faire ça déjà. Et ensuite, on ira acheter du matos. Et après, on va marcher sur le jeu pendant une heure. Je me fais un motus sur le net. Ah, c'est faisable ça? Attention, parce qu'on peut très bien se faire un motus. Hein. On peut très bien se faire un motus sur le net si vous voulez. Ça peut détendre l'atmosphère. Défi pour ton internet. J'ai un poteau, l'internet, il est passé. C'était les produits à nettoyer qui avaient fait fondre les gaines. Mais j'ai pas de gaines en fait, MacDreamer. Parce que là, si tu veux, là, internet, là, j'ai un câble USB qui va au téléphone et voilà, ça me fait internet. Là, quand j'aurai le routeur, ça va être pareil. Ça va être un câble Ethernet qui va au routeur, après direct internet, quoi. C'est avec 6000 bits, c'est pas depuis... Oui, et oui, oui. Salut Rafévi, comment vas-tu? Non, moi, j'ai pas ce problème, du coup, quoi. Parce que moi, j'ai... Du coup, moi, c'est du direct, 4G satellite. Et en plus, c'est le seul truc qu'on a de bien chez nous, parce que la DSL est merdique, mais la 4G, elle tue. Tu portes une gaine, bah ouais, depuis que j'ai arrêté le sport, depuis que je fais une couvade, en fait, finalement. C'est ma femme qui est enceinte, mais c'est moi qui fais une couvade. Donc, voilà, c'est moi qui prends du bidou, j'ai mis une gaine pour... ça va pas ou quoi? Je suis un molosse, moi, molosse tanen. Mais personne m'appelle molosse! Je déteste le fumier! Surprise pour demain. Oui, oui, enfin, c'est pas une surprise. Demain, enfin, c'est plus une surprise. Demain, on va se retrouver pour une collaboration avec Mangor TV, qui est plus ou moins le numéro 1 des streamers sur... Enfin, streamer FR sur GTA V. On va se retrouver pour une collab sur un jeu coop vachement sympa qui s'appelle Actag, qui est excellent. Ah, mais il y a d'autres trucs, là. Défense tonnerre, défense glace, défense vent... Défense chaleur, on s'en fout. La sagesse ou l'esprit? C'est quoi l'attaque? L'attaque magique, c'est quoi? C'est sagesse ou esprit? J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Ouais, c'est moi qui couve. Oui, je vais être papa à la fin de l'année, ouais. Ouais, c'est excellent. Excalibur 2555, il est pas dur, hein. Il est juste chiant au possible, ce jeu. Mais il est foutrement drôle. Il est foutrement drôle, ce jeu, attention. Pas croire, hein. Il est pas bon, mais il y a de quoi se marrer, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais dans le bon sens du terme, on se marre beaucoup. Donc les gars, j'ai besoin d'aide. Est-ce que l'esprit c'est l'attaque ou est-ce que sagesse c'est l'attaque? Je pense que c'est, esprit, mais ça pourrait être sagesse. Bonne nuit Parasitef, bah demain 14h, ça marche. Des bisous. Et merci. Pourquoi y'a personne qui me répond? Putain, les gars, les mecs, on est 56, y'en a pas un qui peut me dire. Motus. Tu testes pour voir. Ouais, remarque. Parce qu'attends, l'attaque magique, c'est quoi? Je sais même pas. Je sais même pas c'est quelle icône l'attaque magique. Qu'est-ce que tu veux que je teste? Bah, je pense que c'est le troisième attaque magique. Donc bon, je pense que c'est celui-là. Allez, on tente. Allez, fais-moi rêver, bestiole. Ouais. Merci, Parasitev. Allez, fais-moi rêver. Putain, si je fais un perfect, si c'est même pas ça. Chope le manuel. Ouais, va falloir. Hein. Ah, je pense que c'est ça. Ouais, c'est esprit. C'est ça, je pense, attaque. Esprit augmenté de 65. Allez, on va sauvegarder, là c'est bon. On l'a réussi du premier coup, on va sauvegarder, on continue. C'est un concours de grimaces, ouais, mais c'est... Et je pense que quand tu fais ce jeu hors marathon, que tu le fais de temps en temps, je pense qu'il est bien. Après, je pense que c'est vrai que ce genre de jeu dans un marathon, c'est compliqué. C'est très compliqué. Très très compliqué. Trop compliqué. Allez, il m'en reste plus que 5. Plus que 5 comme ça, on est bon. Ah, si on les fait du premier coup, à chaque fois on est bien. Ça va aller très vite. C'est un concours de grimaces. Et c'est encore un militaire qui gagne une tringle à rideau. Bravo à lui. Prépare-toi à sauvegarder.
Allez, allez, fais-moi rêver. Fais-moi rêver. Oh putain. Heureusement qu'on n'a pas les... Heureusement qu'on n'a pas les animes pour enfants du moment sur PS1, quoi. Genre les Yo-Kai Watch et je sais plus ce que c'est, là. Beyblade. Putain, heureusement, enfin quoi que... Beyblade, il est peut-être possible qu'on en ait un sur PS1, quoi. Parce que c'est pas récent, Beyblade. Mais putain, Yo-Kai Watch, quoi, mon dieu. Moi, je vais avoir un moment de nostalgie quand tu joueras à Xena la guerrière. Oh, putain, Xena sur PS1. Oh, je sais pas si c'est de la nostalgie, quoi. Il y a un Beyblade, oh, putain, on va s'éclater, quoi. Il y a un Yu-Gi-Oh aussi. Ah, on va s'éclater, quoi. On va faire ça pendant le Ramadan, en plus, tu vois. Toi, on va être bien, ça va être sympa, quoi. Allez, fais-moi un truc de folie. Les visiteurs, c'est un peu de la merde. Yu-Gi-Oh est cool, mais tu vas galérer. Ok, on verra. Nous verrons. Allez, fais-moi rêver. Bien joué. Bah, la fatigue. La fatigue, Raffévi. Oh, génial. Encore un perfect. Allez, on se casse, on sauvegarde. Oh, c'est des vannes pourries, vous pouvez pas comprendre. C'est des vannes de famille multiculturelle, ça. Solus obligé pour les fusions, clairement, si on peut pas. Ok. Ouais, mais je pense... De toute façon, je pense que pour les RPG, maintenant, je mettrai l'aide du chat direct. Parce que cette histoire d'être du chat, ça devient un peu n'importe quoi des fois. Donc, pour les RPG, voilà. Je vous fais participer, comme ça, vous faites beaucoup moins chier, quoi. Tu as fini sans les solus. Ah, mais t'étais pas en marathon, Yoichi. T'es pas en marathon, ce soir-là. Tu ne peux pas comprendre. Yu-Gi-Oh, c'est pas un RPG, si. Si, moi je le mets dans la catégorie RPG. Je fais ce que je veux, c'est mon marathon. Je propose de commencer la confection d'un lexique doublesque. Ah, tu peux. C'est un jeu de cartes, oui, mais bon, t'as des évolutions, faut passer des lava-hauts, donc voilà, c'est un RPG quoi. C'est pareil, c'est pas un RPG, c'est un jeu de bestioles. Ouais, c'est des genres de jeux, faut pas hésiter à me dire là. Il vaut mieux que tu commences direct avec l'aide du chat parce que sinon tu vas en chier des ronds de chapeau. Il y a des jeux, c'est simple, c'est marrant d'en chier des ronds de chapeau. Les jeux d'aventure, les jeux d'action, les jeux de baston, les jeux de trucs comme ça, c'est marrant pour vous et pour moi que j'en chie quoi. Salut Naito, comment vas-tu? Va te raser, ouais. S'il te plaît. Un beau Breath of Fire 3, ouais, il est cool. Celui-là, j'ai adoré. Hein. J'ai adoré. Breath of Fire 3, quand t'arrives vers la fin d'ailleurs, adulte, dans le désert, la traduction, elle est merdique. La traduction, elle est foutue. Si tu te fies à la traduction, bah, tu te paumes tout le temps. T'as besoin de la Solus. Je me rappelle, j'avais besoin de la Solus à l'époque. Quoi. Le petit TAJV de l'époque, c'était bien. T'exprimer ma haine au profond de ton clip. Pour ton clip. Lui, j'avais dit quoi? Défense. Et lui attaque. Allez, faites-moi des perfects, là, j'y crois. Yes. Yes. Yes, putain, mais on gère. Oh là là, la RNG. Oh, la RNG. Oh, praise the RNG. Bless. RNG. L'étoile de merde à suivre, ouais, l'étoile du nord, là, je sais pas quoi. Ouais. C'était tendu, hein. Avec la flotte à gérer et tout. C'est costaud hein, comme RPG Breath of Fire 3.
Je pense que c'est un des trucs que je mettrais plutôt à la fin du marathon, ça. C'est costaud, costaud à te faire, quoi. Mais c'est génial, j'aime ce RPG, quoi. Ça évolue tellement bien, pile au bon moment. Putain, j'ai fait 3 perfects. Je viens d'enchaîner 3 perfects, les gars. Ça mérite pas des bigorneaux d'or et de platine, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quoi ce poulpe? C'est quoi ce poulpe? C'est un Digimon? Très simple de spawner dans le désert, le Venstrat. Salut Rosalia, comment vas-tu? Bon, je suis content, ça va aller très vite. On a déjà fait la moitié, on l'a fait en même pas 10 minutes. Donc c'est bon. J'espère que ça va rester comme ça, la RNG de folie. Sauvegarde de folie également. Igualmente, génial. Génial, comme on dit chez nous, génial. Ça va, ça va. Je te remercie. Nickel. Toujours sur ce jeu, mais bon, c'est le marathon, c'est le défi, c'est comme ça. Ouais, Alundra 1, il est excellent. Il est long et difficile, mais il est tellement bien que ça passe. Franchement, ça, je pense que même à streamer, c'est cool. Ce genre de jeu, même à streamer, c'est cool. C'est un bon délire. Mais après, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont très durs. Il y a des passages qui sont très tendus. Il y a pas mal de petits jeux qui me tardent de faire comme ça, genre me tarde de faire un petit Need for Speed 3, un petit Destruction Derby 2. Qu'est-ce que c'est qui me tannait là depuis un moment que je regardais? Ah, un petit Mega Man Legend 2. Parce que j'aime bien ce jeu, bizarrement. Le 2, j'ai moins. Ben, je l'ai fait le 2, j'ai déjà fait le 2. Mais moi je l'aime bien le 2, bizarrement. J'aime beaucoup le 2. Bon, lui on a dit défense, full défense. T'as du bol, t'as encore tout. Putain, c'est frais. Putain, je vais encore faire un perfect. Non. Pouh, 4 perfects d'affilée. 4 perfects d'affilée. Truc de fou. Truc de fou. Je choisis aucun des jeux qu'il a cité. Non, bah après, choisissez ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste, voilà. Quand je sais quand ça va arriver, ça va me faire plaisir, parce que c'est des jeux que j'ai envie de refaire depuis un petit moment. Mega Man Legend 2, Need for Speed 3, Destruction Derby 2... Bref. Bon, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, voilà. Allez, il m'en reste plus que deux. Putain, ça va vite, c'est cool. Warcraft 2, ouais, ça va être rigolo. C'est-à-dire qu'ils sont spécialisés dans ces stats. Ah bah c'est parfait. C'est parfait. Contre Antoine Griezmann. T'as la boîte nickel, c'est un tac. Mais je l'ai pas le jeu Rosalia, donc on sait jamais. Si jamais tu veux t'en débarrasser, bon. Je prends. Il est malin le mec. Complètement malin quoi. Du-du-du-du. Salut Lil One Two. Comment vas-tu? C'est mort, bah je me doute que c'est mort. Oh non, garde-le, c'est bien, franchement. C'est bien, c'est bien. Garde-le. Mais bon, si un jour on a un moment de faiblesse. Évidemment qu'il tente, il aurait tort de ne pas tenter. Je
séparé de Warcraft 2. Ah non, moi je parlais de Alundra 2. Enfin, les deux, remarque. Les deux, pas de préférence. Warcraft 2, je l'ai pas non plus. Non, en tristesse infinie, je ne l'ai pas. Allez, attaque. Je l'ai, Rayman. Et bon, moi, les jeux, je les garde, par contre, moi, c'est sûr. Le but étant que je les récupère tous. Bien joué. Bien joué. Demain, ça attaque, ouais, avec Mangor. Ah, merde. Perdu. Perdu, on recharge la partie, dommage. On était dans une si belle lancée, putain. Ah, il joue encore, putain, c'est cool. C'est cool. Oh, à demain avec Mangor. Bon, j'espère vraiment que ma connexion va être aux petits oignons. Comme ça, on va vraiment vous faire un truc tip-top, on va bien rigoler, quoi. Sweetie, sweetie. Ouais, sweetie, ouais, sweetie. Ping, 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 ping. Une partie, j'aimais la finir. Ouais. Bon, on l'a tous fait, ça. On l'a tous fait, ça, de se retaper juste le début pour se faire plaisir, quoi. Ah, je chante. Je chante. Je vais me chercher un petit. Je finis ça, je vais me chercher un petit kawa. Et après, on va aller rouenter, les types. On va rouenter le jeu, on va lui marcher dessus. On va lui marcher sur la. On va lui marcher sur la tronche. Ouais. Le jeu les fous du volant, ça peut être fun aussi. Ah oui, complètement. Allez, c'est parti. Oui. 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 Mais abruti! Eh oui, mon golo, mais non. Il me faut du perfect. Il me faut du perfect. Putain, ça avait si bien marché, quoi. On avait fait les 4 d'affilée, on va se faire chier pour le 2 dernier. C'est une blague? That's a joke, right? Hmm. Putain, trouver des jeux PS1 9, ça va devenir très dur. Hein. Et très cher. Oh oui, très cher. Ah ouais, j'ai plus de café, va falloir faire du café, quoi, putain. Hein. Sweetie-dee-dee. Sweetie-dee-dee-dee. Sweetie-dee. Alors. J'y crois à mort. Je crois que ça fait une paye que j'ai pas vu un jeu PS1 neuf. Franchement, en bon état j'en ai vu. En très bon état j'en ai vu, mais alors neuf. Ça fait vraiment une paye. Hey, salut Asdakoen, comment vas-tu? Les deux premiers heureux pour 30€. 30€ les deux ou 30€ chacun? 30€ les deux, c'est cool. 30€ chacun, ça commence à faire un peu quand même. Les deux. Ah bah c'est cool, c'est cool. Très bonne affaire. Très très bonne affaire. Bah oui, évidemment que cela me convient. Allez. Grosse puissance d'attaque, s'il te plaît. T'as vu un Spec Ops sur Blister, sous Blister, c'est sur quelle console ça, Spec Ops? Oh, va chier le Digimon.
Redémarrer. Digimon petit monstre, bon bah tu es le champion quoi. PS1, d'accord. Je me suis pris un bust move à que dalle sous blister de souvenirs à pas longtemps. Putain, mais du bol, moi j'ai jamais trouvé des jeux sous blister. C'est trop injuste. Bust move 2, j'adore bust move. Bust move, petit monstre. Ça marche avec tout. Brigitte Macron, petit monstre, tu es le champion. Redémarrer mettait plus de temps. Bah non, c'est comme si j'appuyais sur la touche reset. Excuse-moi, c'est pareil. J'ai pas beaucoup de connexion sur PS1. Mais vas-y, balance le nom. Mon dieu. Impec. Cool award. Kurushi. Allez, on y croit. C'est la bonne. C'est plus dur à trouver. Ouais, allez, ouais. Silverload. Non, je connais pas. Je ne connais pas Silverload. En même temps, des jeux qu'on connaît pas sur les 1402 ou 1411 jeux qui sont sortis. Ça commence à faire. T'es sûr que t'en as un paquet que tu connais pas, quoi. Enfin, moi, je sais qu'il y en a un paquet que je connais pas, et j'en découvre tous les jours. Tous les jours, je regarde un petit peu Alice et je regarde à quoi ça correspond. Je fais des belles découvertes, des moins belles aussi, hein, mais j'en fais des belles. Allez, Kumamon, fais-moi plaisir, bordel. Donne tout, vraiment. C'est bien. Il est pas en pâle, ok. Allez. Mais quel sac! Putain de sac, quoi. Enfin, oui, il y a un sac, effectivement. Mais voilà, quel sac. On va pas s'énerver, hein. Donc du coup, cette petite merde, elle va dégager. Je vais la renvoyer à Bouygues, là, dès que je vais récupérer mon routeur. Je vais dire, tiens, ça, c'est de la merde. Ça ne marche pas. Ça pue. Ça chie dans la colle. Terminé, quoi. Ah, j'ai fait des frais, là. Là, je me suis fait plaisir, hein. J'ai fait des frais. C'est un jeu d'enquête. Ok. Tu peux pratiquer le hurlement primaire, ouais. Ouais, ça me ferait du bien. Je connaissais pas chez Easy Express. Non, bah non, je connaissais pas tout. Heureusement, putain. Heureusement que je découvre. Moi, c'est ce qui me plaît, quoi. C'est découvrir des jeux, quoi. Dans le marathon, les deux trucs que je kiffe, c'est redécouvrir les anciens jeux que j'ai faits et découvrir des jeux que je ne connaissais pas. Et il faut aussi que ça... voilà. Faut aussi qu'il y ait un petit truc qui me titille quand je le fais, le marathon. Ce jeu-là, je le connaissais pas, par exemple. Est-ce que c'est une bonne découverte? Pour l'instant, ça reste mitigé. Ça reste vraiment mitigé, quoi. Je ne saurais vous dire si c'est une bonne ou une mauvaise découverte. Hop là, attends, je me recale un petit peu. Faut pas déconner. Allez, j'y crois, moi. Ah, il va me sortir son meilleur, sa meilleure box. La plus belle box. 200% box. C'est un jeu avec des boules. Voici le gymnase où tu t'entraînais. Oui. Oui, on a dit oui. Sur Chase the Express, j'ai eu la bonne ou la mauvaise fin, je sais pas.
Je pense que j'ai eu... Oh putain, mais quel sac. Ah non, il perd de suite. Allez, c'est bon. Va chier. Redémarrer. Des FPS. Ah oui, j'ai pas fait des FPS, ouais, c'est vrai. Kula World, ouais, c'est la bouboule, ouais. Kula World. Gros jeu. Ça lui manque. Ouais, je suis pas très FPS. Ouais, il était marrant le 007 FPS. Il y a des trucs un peu débiles, mais après, non, ça va, il était marrant. Il était marrant, il y a moyen de faire des bons trucs. Distant, bande son médiocre, remis sur les plans graphiques. En 2D. Rien à souhaiter, c'était tron. Tu parles de quoi de Digimon? Non, moi je pense qu'on peut apprécier ce jeu. T'as buté l'hélico? Ouais, j'ai buté l'hélico. Ouais. Je pense que ce jeu en marathon c'est chiant, c'est sûr. Mais je pense qu'à petite dose tranquille, il y a peut-être moyen de se faire chier, de moins se faire chier. Re-Rafévi. Sur un FPS, si. T'as Doom, Final Doom, t'as Exhumed. T'as les deux Medal of Honor, t'as le 07 machin. T'en as quelques-uns, je crois que t'as... Non, je crois que t'as un Quake, je sais même pas, non, je crois pas. Non, je crois que c'est sur 64. Y'a Alien Trilogy, ouais, bien vu. Je pesais 7 kilos de moins. Ah ouais, quand même. T'avais plus de barbe que moi. Exhumed, il est cool. T'as Disruptor. Disruptor, c'est un bon FPS. Un peu chaud. Un peu bizarre sur la fin, mais franchement, c'est un très bon FPS aussi, quoi. S'il y a un Quake sur PS1, ok, mais cool. Je commençais à ressembler à Lou, c'était flippant. Ah, oui, tu pouvais être un beau gosse, pourquoi pas. Pistolet optique. Descent, ça me dit rien, Descent. Enfin, le nom me parle, mais je... Non. Ouais, Duke Nukem 3D. Le Duke, Sir Duke. Les Fear Effect... Non, les Fear Effect, c'est pas des FPS, Fear Effect. Non, ça se joue à la RE, Fear Effect. Si je me souviens bien, ça se joue à la RE. Allez, fais-moi rêver, bordel, s'il te plaît. J'ai besoin de rêver, là. Allez. Oui. Putain de oui, quoi. 65, parfait. On va sauvegarder. J'ai police et FPS. Non, t'es dans un hélico. Enfin, dans un vaisseau, on va dire. Putain. Allez, plus qu'un et c'est bon. Plus qu'un et c'est bon, après on marche sur le jeu. Terminé. Les bigorneaux. Il y en a deux de Doom, enfin. Il y en a un et demi. T'as Doom et Final Doom. C'est en vue FPS. Oui, mais bon. Pas pareil, sinon Ace Combat aussi, c'est en vue FPS. Enfin, tu peux avoir les deux. Mais voilà. D'ailleurs, si on fait Doom, faudra voir après Final Doom à quel moment faut jouer, parce qu'il y a des trucs que j'aurais déjà fait dans Doom, qui sont présents dans Final Doom. Ouais, on marche sur le jeu jusqu'au prochain boss. Non, parce que depuis tout à l'heure, j'avais marché sur combien de boss? 2 ou 3 boss à chaque fois. Ah, ça te permet de marcher sur 2-3 boss à chaque fois. Enfin, ça permet d'avancer un petit peu. C'est vrai que c'est un peu chiant. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lulu, quoi. Eh ouais, c'est le jeu ma pauvre Lulu, c'est tout. Allez, le pont d'Asuka. Allez, glisse-le, bordel.
Allez, dis-moi que c'est bon. Allez, un autre perfect. Le perfect. Le perfect. Le perfect. Bless the RNG. Praised the RNG. Salut Ash. Salut Ash. Faudra que je refasse Art of Ragnarok. Oui, complètement. Complètement. Je l'ai pas encore fait, j'ai pas encore fait celui-là, donc forcément oui, faudra que je le fasse. Allez, fais-moi rêver. S'il te plaît, fais-moi rêver. J'en ai marre. FPS mais pas top. Ouais, enfin FPS. Ouais, Art of Ragnarok. Oui, il est là d'ailleurs. Messi de FGH. Heart of Darkness. Ouais, il est excellent. Excellent. Il y a bien moyen de bien rager, mais il est excellent. Mais écoute, si un de ces quatre était là entre deux jeux, donc c'est-à-dire quand je lance le. Quand je lance évidemment la loterie pour savoir qui choisit le prochain jeu, bah tu pourras me demander de faire After Darkness. Et voilà, ça c'est excellent. Yo la plague. Oh, oui. Praise the RNG. Et une foule en délire. Lui lancer des Livorno. Après, je sais pas si oui, je pense que tu sais comment ça marche le marathon ici. Tu sais comment le marathon fonctionne, n'est-ce pas? Allez, je sauvegarde. Petite pause, chercher un café. Et on rointe le jeu, on va le rointer. On va le rointer le jeu. Rointage de jeu, c'est parti. Sauvegarde et rointage de jeu. Vite, Nightmare Creature 2. Ça en est trop bien sorti sur le premier. Trop bien sorti, j'ai galéré sur le boss de fin. Ça se voit que t'étais pas là, toi. J'ai galéré sur le boss de fin. Après, oui, ça va, Bah, je suis pas trop mauvais. Je suis pas trop mauvais après en jeu, quoi. Je suis polyvalent en fait, c'est ça, voilà. Je suis bon à rien et nul en tout. La sauvegarde qui dure de plombe. On est très content. On est très content. Allez, petite pause vite fait. Je vais me chercher un petit café. Et... on défonce le jeu comme jamais.